Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais déjà ce que vous allez tous me dire, mais pourquoi tu as fait ça? Et ben j'ai envie de vous dire pourquoi pas en fait. À un moment donné, j'ai craqué. Ça faisait 23 ans de ma vie que j'étais blonde, je n'en pouvais plus. Quand je vous dis qu'en fait je souffrais d'être blonde, je souffrais, je n'en pouvais plus. Quand tu as un truc physique ou quoi que ce soit chez toi et que tu as l'impression que tu n'es pas toi-même tant que tu n'as pas réglé ce problème physique ou problème capillaire ou peu importe ce que c'est, c'était mon cas. Ça faisait 23 ans que j'étais blonde, 23 ans que j'étais blonde parce que dans toute ma famille, toutes les femmes sont blondes et que pour ma mère, c'est un crime de se faire autre chose que blond. Voilà. Donc du coup, avec tout ce que j'ai traversé ces derniers mois, je me suis dit en fait, il y a un moment donné, il faut que je me priorise, il faut que je fasse ce que j'ai envie, en fait, tout simplement. Et si j'ai envie de me teindre les cheveux en brune, eh ben, je le ferai. Bon, j'ai bien sûr réfléchi à comment ça pourrait être. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Donc, je suis désolée pour toutes les personnes qui m'aimaient en blonde. Ça reviendra sûrement, c'est très possible d'ailleurs. Mais pas maintenant. Pas maintenant parce que j'ai l'impression que j'ai enfin ma vraie personnalité. Mon chien veut sortir. J'ai l'impression que j'ai enfin ma vraie personnalité et j'ai l'impression que en faisant ça, je me dis en fait, dis-toi oui à toi en fait. Arrête de penser à ce que les autres vont dire. En fait, j'en ai même pas parlé. Je vous ai dit que j'hésitais à foncer. Ce que j'ai fait la veille, non, deux jours avant. Deux jours avant, j'ai foncé mes cheveux. C'était pas assez. C'était pas assez radical. Et c'était pas exactement la couleur que je voulais. Donc, de toute façon, dans tous les cas, c'était pas ça. Et ensuite, ce matin, je me suis réveillée et je me suis dit, non, en fait, genre, j'ai envie de quelque chose de radical. J'ai envie de ça. Et j'adore. Et la couleur est juste magnifique. Et mon coiffeur a fait juste des merveilles. Et si vous n'aimez pas, je suis désolée. Et si vous aimez, merci beaucoup. Et franchement, c'est cool parce que en ce moment, je me sens dans ce mood-là. Voilà. Donc, genre, c'est comme ça. Et je pense que si vous avez envie de changer de cheveux ou quoi que ce soit, vous inquiétez pas, c'est que des cheveux. Donc, ça ira. Ça ira, tout ira bien, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je me sens bien mieux dans mon corps, dans ma peau, en étant comme ça. Beaucoup moins d'entretien en plus. Ça va être génial.